Mesdames, Messieurs les représentants du peuple, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État et des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames, Messieurs les représentants des associations des anciens combattants et des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs, l'épidémie de coronavirus nous contraignant à des mesures particulières de prévention, nous avons décidé de ne pas investir cette année pour le traditionnel moment de rencontre et de convivialité, la salle de la Moine, comme il était d'usage jusque-là pour le 14 juillet. Nous avons donc inventé, en ces circonstances, une sorte de garden party à Glovienne, dans les jardins et les espaces publics ouverts de l'hôtel de ville, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. En tout cas, merci à tous d'être là. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui se sont chargés de l'organisation de ce rendez-vous. En cette fête nationale 2020, où nous nous rappelons la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, souvenons-nous tout d'abord de cette expérience collective si particulière de privation de liberté à laquelle le virus nous a contraints pendant quelques mois. Souvenons-nous de ce confinement qui signifiait interdiction ou limitation de notre liberté de circulation. Interdiction de voir ses proches, sa famille, ses amis. Interdiction de voir nos aînés, nos enfants et petits-enfants pendant de longues semaines. Expérience cruelle pour beaucoup, difficile pour la plupart, mais dictée dans ce cas de figure par l'impératif de solidarité que nous nous devions de respecter pour se protéger soi-même et pour protéger les autres. Cette expérience n'en donne que plus de valeur encore à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Cette expérience n'en donne que plus de relief à ces trois valeurs fondamentales que nous a légué la Révolution française et son cortège de femmes et d'hommes qui en ont été les acteurs. C'est nous qui sommes aujourd'hui appelés à les porter et qui avons hérité la charge de les incarner en cette première moitié du XXIe siècle. Dans les circonstances qui sont les nôtres, en ce 14 juillet 2020, je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur l'une de ces trois valeurs, peut-être la plus singulière des trois, car elle rayonne de manière très particulière, la fraternité. Non pas que liberté et égalité aient perdu de leur saveur, mais au fil des décennies passées, liberté et égalité sont devenues, dans toutes les démocraties libérales du monde, objet de droits individuels, développés, il est vrai, à des degrés divers. Le mot « fraternité », en revanche, nous renvoie au collectif que nous formons, à un collectif dans lequel nous nous fondons. Si les notions de liberté et d'égalité se laissent saisir de manière juridique, la fraternité, en revanche, déborde largement ce plan. La fraternité nous renvoie bien plus, en effet, à la mobilisation de nos valeurs d'humanité, de solidarité et d'engagement personnel au service des autres. Elle nous interpelle sur le plan émotionnel et affectif. Elle nous fait injonction à nous-mêmes. Elle nous renvoie en nous-mêmes à une obligation morale qui nous oblige envers les autres.
c'est la fraternité qui était à l'œuvre les mois passés, durant l'état d'urgence sanitaire, dans les hôpitaux, les établissements accueillant les personnes âgées ou handicapées, quand les personnels, soignants ou non soignants, ont tout donné, souvent au risque de leur santé, pour venir en aide à nos compatriotes en souffrance. Je n'oublie pas, bien sûr, les services de secours et d'assistance, services d'urgence, forces de l'ordre, police, gendarmerie, pompiers, mais aussi les médecins de ville et tous les bénévoles qui ont fait un travail hors du commun et remarquable. C'est la fraternité qui était en action dans les réseaux d'entraide spontanée, entre voisins, dans les multiples initiatives citoyennes au service de la vie quotidienne, de la vie économique, sociale et culturelle. C'est la fraternité toujours qui était le ferment de la mobilisation à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité pour rendre le confinement tenable et nous permettre de traverser cette épreuve inédite le mieux possible. C'est la fraternité qui devra être à l'œuvre pour nous sortir grandis de cette épreuve qui n'est malheureusement pas derrière nous et qui se traduit par une triple mise en péril sanitaire, économique et sociale que nous avons et aurons à gérer dans les mois qui viennent. Si la liberté et l'égalité sont les clés de voûte de notre édifice républicain, nul doute que la fraternité en est le ciment. Si la liberté et l'égalité sont de droit, la fraternité est avant tout de volonté. Sans cette volonté, sans l'addition de toutes nos volontés individuelles de fraternité, pas d'unité nationale possible. Or, les temps à venir vont nécessiter plus que jamais que chacun, quelle que soit sa fonction, ait le souci de l'unité nationale et de la fraternité républicaine. Les mois passés ont montré de magnifiques élans dans ce sens, notamment dans notre cité, et je voudrais en remercier tous les acteurs. En ce 14 juillet 2020, fête de notre nation, je veux croire que cet avenir fraternel est possible, à commencer ici, dans notre chère ville de Haguenau. Très belle fête du 14 juillet à chacune et à chacun. Et vous me permettrez un merci tout particulier au détachement militaire des 3 unités stationnées à Haguenau. En cette année 2020 si particulière, votre présence, mesdames, messieurs, dépasse à mes yeux le cadre strictement haguenauvien. Une telle crise sanitaire inédite depuis la Seconde Guerre mondiale a permis de montrer une figure nouvelle de notre armée, une armée soignante et engagée au service d'une France sous très haute tension sanitaire. Et je n'oublie pas que cet engagement fut enclenché en Alsace et très précisément à Mulhouse. Merci ensuite à Ami, Nizar, Gaspard, Émile, de notre conseil municipal des enfants qui vont prendre la parole juste après moi. Merci enfin à M. Kautzmann, que l'on reconnaît avec son béret rouge, qui va nous interpréter tout à fait tout à l'heure la Marseillaise. Merci enfin au porte-drapeau. Et je cède à présent la parole aux représentants de notre conseil municipal des enfants.